Montréal.tv est au Casino de Montréal pour la 9e édition des Grands Prix du design animés par Mitsu. Plus de 800 personnes se sont rassemblées ici ce soir pour célébrer les meilleurs du design et de l'architecture au Québec. C'est la 9e édition des Grands Prix du design. Chaque année, on a plus de projets en candidature. Cette année, on a eu 500 projets. Alors, 500 projets, en fait, qui viennent de toutes les catégories. Alors, c'est de l'aménagement intérieur, mais c'est aussi du design industriel. Mitsu, l'animatrice de la soirée, est-ce que pour toi, c'est important le design? J'ai toujours été sensible au design, mais je te dirais qu'après avoir animé une soirée comme celle-ci et d'avoir vu tout le talent qu'il y a au Québec, tous les projets qu'on ne peut pas imaginer parce qu'ils sont si nombreux, 71 beaux prix ont été remis sur cette scène ce soir. Mélanie, le design, c'est tellement important à Montréal. Peux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi? Bien, pour différentes raisons. Premièrement, Montréal est une des villes UNESCO du design. En tant que gouvernement fédéral, on peut jouer un rôle très important dans le soutien du design, puis de façon générale, de l'art public dans tous nos projets d'infrastructure, dans tous nos investissements en infrastructure. Pourquoi vous avez décidé de commanditer cet événement aujourd'hui? Bien, parce que quand on pense automobile et design, on pense forcément à Mini. Avec tous ces modèles, tous ces variétés de modèles, toutes ces couleurs, forcément, c'est obligé de penser à Mini. Donc ça me paraissait tout à fait normal d'être ici ce soir. Et puis en plus, ça nous permet de montrer aux gens nos deux nouveaux modèles, le Clubman et la nouvelle Cabriolet. On prépare l'été, il y a un design, tout a changé, tout est nouveau, l'intérieur, l'extérieur, donc forcément, il fallait être ici ce soir. Pourquoi avoir choisi le Casino de Montréal pour la 9e édition? En fait, le Casino de Montréal, en fait, son réaménagement, la modernisation du Casino de Montréal a été le prix de l'année de la 8e édition des Grands Prix du design. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça ici ce soir. Il y a eu la remise des prix dans le cabaret du Casino et maintenant, c'est l'après-gala et le cocktail dînatoire qui a lieu dans les trois bars en fait, du Casino, le valet, la dame et le roi.